Tu peux pas faire ça, Harry. Trop tard, j'ai fait. Tu me plais plus. Quoi? Et c'est maintenant que tu me dis ça? Ça se fait vraiment pas, Harry. Je t'aime. On était faits l'un pour l'autre. Je suis la princesse la plus aimée. Non, c'est toi qui disais ça. On dirait que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Ouais, tu as bien deviné. J'ai trouvé la princesse Elena. Elle est encore bien plus belle que toi. Quoi? Non, dis-moi que c'est faux. Tu peux pas faire ça, Harry. Désolée ma petite, mais c'est fini entre nous. Quoi? Harry, c'est impossible. Et si, c'est possible. Harry, je t'interdis. Reste ici. Trop tard, je retrouve ma princesse Elena. C'est bon, je l'ai quittée. Enfin, il serait temps, mon prince. On va boire un café? Oui, vas-y, ma princesse Elena. Oh! J'arrive pas à croire. Il m'a vraiment quittée. J'étais la plus belle pourtant. Je ne suis pas moche. Pourquoi elle a fait ça? Je comprends pas. Mais Harry, sache que je vais changer. Et là, tu vas être choquée. Je vais devenir encore plus belle. Et tu vas le regretter. Pourquoi tu as quitté la princesse Anastasia? Et lorsque tu me diras de venir, je viendrai pas. Au revoir, Harry. Oh, c'est injuste. Pourquoi les princes font ça? Ils brisent toujours mon cœur. Mais demain, une nouvelle princesse va naître. La princesse Anastasia ne sera plus la même. Elle ne se fera plus avoir par Harry ou par quelqu'un d'autre. Je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin de personne. Bon, allons dormir. Oh, il est l'heure de se lever. Un nouveau jour se présente à moi. Allez, c'est parti. Allons aux toilettes. Et ensuite, je vais me faire une nouvelle beauté. Là, personne ne va me reconnaître. Ni même mon ex. Allez, on y va. On se lave les mains. Et ensuite, on va aller voir la coiffeuse la plus connue sur Berry. Il s'agit du salon de Miss. Je me lave le visage. Et je vais montrer à cette nouvelle princesse qu'une princesse, une vraie, reste la seule et l'unique princesse. Allons-y. Pas besoin de changer pour l'instant. Il suffit de remettre la même tenue. Et je dirai à Miss de me changer complètement. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'il y a à manger. Alors, dans le frigo peut-être? Ça me suffira. Allez, c'est parti. Je bois ça. Et ensuite, je dirai à ce prince que tu as vraiment raté quelque chose. Allez, c'est parti. J'ai fini de boire ma boisson. Allons retrouver la coiffeuse. J'espère qu'elle va me rendre vraiment très très belle. Parce que j'ai été triste. Ah, allez, c'est parti. Bonjour. Oh, bonjour. Vous êtes la princesse Anastasia, c'est ça? Mais vous êtes déjà très belle, vous n'avez pas besoin de beauté. Oh, laissez-moi vous dire que mon ex, le prince, m'a quittée parce qu'il croyait que j'étais pas vraiment très belle. Attends, mais le prince, il a pas de yeux ou quoi? Vous êtes trop belle. Oui, ça c'est moi et vous, on pense comme ça. Mais lui, il m'a dit que j'étais moche. Il est sorti avec quelqu'un d'autre. Ah, bah là je comprends mieux. Il vous a dit que vous étiez moche juste parce que, il voulait plus être avec vous. Mais vous attendez quoi exactement de moi, alors que vous êtes déjà très belle? Écoutez, faites-moi encore plus belle. J'ai envie de changer de look. J'ai envie de commencer cette nouvelle année sans penser à ce prince et à sa princesse Elena. S'il vous plaît, vous pouvez faire ça. Je compte beaucoup sur vous. Vous êtes très connue comme coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Oui, bien sûr. Vous savez quoi? Venez avec moi. On va d'abord commencer par de la pédicure, ensuite de la manicure, et ensuite nous allons changer votre look. Merci beaucoup. Enfin, une qui me comprend. Oui, je suis là pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Heureusement que vous êtes là. Il y a des femmes qui se prennent trop pour des stars. Oh, bien sûr, il ne faut surtout pas se prendre pour des stars. Rassurez-vous, avec moi, vous allez devenir une méga star. Et c'est parti maintenant pour de la manicure. Merci beaucoup, Miss. Oh, c'est normal. Comme ça, vous allez voir, vous allez vous venger de ce prince. Il va regretter de vous avoir quitté. Je vous le promets, princesse Anastasia. Merci, merci beaucoup. Et ensuite, vous viendrez avec moi au salon de coiffure. Quoi? Vous êtes sûre? Je peux conduire cette voiture? Elle est trop chère. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez. Vous savez quoi? Avant, j'étais une fille riche et pourri gâtée. Maintenant, je suis en train de changer. Oh, cool. Bon, ben, c'est parti alors. Oui, allez, venez avec moi. Plutôt, montrez-moi où se trouve votre salon. Très bien, allons-y. Il n'est pas très loin, il est juste de ce côté. Hop, et voilà. Attendez, ouh. Voilà, hop, c'est bon. Allez, venez avec moi, princesse Anastasia. Alors, on va commencer d'abord par les cheveux. Se rincer les cheveux. Très bien, c'est parti. Hop. Allez,
Je vais laver les cheveux. Voilà, relaxez-vous. On dirait que vous êtes stressé. Oui. Après tout ce qui s'est passé. Ça va aller. Ne vous en faites pas. Allez, c'est parti. Ensuite, la coiffure et le maquillage. Et vous serez prête. Une vraie princesse. Et donc, voilà, c'est bon. Princesse Anastasia, montrez-moi le look final. C'est bon, vous pensez que je passe très bien pour une princesse? Vous rigolez? J'ai pas vu une princesse aussi belle que vous. Vous allez voir, le prince va être jaloux et il va vraiment regretter. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et montrez-lui qui est la vraie princesse. C'est vrai, c'est ce que je vais faire. Lui montrer, ne plus le calculer et aller voir ailleurs si je suis. Waouh, vous êtes vraiment trop belle. Oh, ça me donne envie d'être une princesse moi aussi. Vous pouvez venir chez moi. Et je vais vous montrer comment devenir une vraie princesse. Bien sûr, pourquoi pas, un autre jour. Mais je vous laisse, profitez de votre journée et joyeux Noël. Merci beaucoup, Miss. Je reviendrai, promis. Oh, merci beaucoup, vous m'avez déjà trop payé. C'est normal. Allez, je vous laisse. Au revoir, Miss. Allez, j'y vais. Oh, tiens, qui vois-je? Le prince avec sa princesse. Hey, regarde, c'est qui celle-là, Harry? Hein? Qui ça? De qui tu parles? Waouh! Vous... on se connaît? Moi, je te connais. Mais toi, tu me connais pas. Je suis la princesse Anastasia. Mais c'était pas ton ex, elle? Quoi? Anastasia? Tu peux pas être aussi belle? Pourquoi tu dis ça? Ne me dis pas que tu l'aimes encore. Non, Elena, c'est pas ça. Mais ça peut pas être Anastasia. Elle peut pas être aussi belle. Oh que si. J'étais belle avant aussi. Mais je voulais te montrer que je peux être encore plus belle si je prenais soin de moi. Bref, profite avec ta princesse. Ridicule. Vous formez un couple vraiment très ridicule. Bref, je m'en vais. Et à jamais, on sortira plus jamais ensemble. Oh prince ridicule. Attends, mais... princesse Anastasia... Quoi? Comment ça, princesse Anastasia? Ne me dis pas que tu voulais sortir avec moi juste pour ça. Parce que j'étais plus belle qu'elle. Et maintenant, c'est elle la plus belle. J'arrive pas à croire. Tu as fait tout ça. J'ai compris. Je devrais partir. Hein? Non, attends, mais c'est pas ça. Elena! Oh non, toutes les princesses me quittent. Bien fait pour toi. J'aurais pas dû quitter la princesse Anastasia. Je suis abandonnée par les deux princesses. C'est pas vrai. Personne ne m'aime. Je me sens vraiment seule et triste. J'aurais pas dû faire ça. J'ai été égoïste. J'aurais pas dû quitter la princesse. Elle est trop belle. Bon, on retourne au château. Allons retrouver une autre princesse, encore plus belle que ces deux-là. Allez, on rentre à la maison. Ah, quelle belle journée. Franchement, je suis très contente de moi. J'ai réussi à faire ce que je pensais ne jamais faire. Être une princesse qui a confiance en elle, c'est la meilleure des choses. Et maintenant, plus aucun prince ne m'embêtera. Bon, allez, je vais aller prendre des photos et publier sur Instagram. J'ai jamais été aussi belle que ça. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils vont tous liker cette vidéo et s'abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé. La princesse abandonnée qui a enfin confiance en elle.